Tu cries, tu perds. Le nouveau challenge pété inventé par Squeezie. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu d'horreur ou plusieurs. Ça dépend de la durée de ces derniers. Il y aura donc des screamers, des petits monstres qui font pas plaisir. Et vous allez devoir fermer vos putains de gueules et ne pas crier. Si tu cries, tu quittes la vidéo. Et tu cliques sur une autre vidéo à moi quand même. Sinon, je me fais un peu baiser dans l'histoire. Bon, le mec qui fait son challenge, mais qui assume pas trop les conséquences. Ok, on se réveille à terre au milieu d'une forêt, c'est parfait, situation qui arrive régulièrement bien sûr à tous les Français. Oh, le téléphone qui a pris cher. Je dois trouver de l'aide. Allez, on va trouver de l'aide, t'inquiète pas. Déjà, j'aimerais trouver une lumière avant de trouver de l'aide. Mais attends, comment je sais où je dois aller? La map elle est immense, mec. Ça n'a pas de sens. Là-bas, il y a un truc là. C'est quoi ça? Est-ce qu'on a trouvé une light? La réponse est oui, bien évidemment. C'est mieux. C'est une allumette. C'est quoi ce bras? Elle a une maladie, cette personne. Même mon propre bras n'est pas aussi fin, mec, c'est spectaculaire. Est-ce qu'on peut allumer une allumette? Ok. J'ai pas crié. Ok, ah d'accord, donc on pouvait avoir de l'aide juste ici. Et au lieu de ça, on doit retourner dans cette forêt humide et moite. Bon bah mec, et si on suivait les rails? On va suivre les rails, mec. Toujours une bonne technique, ça, suivre les rails. Et, par contre, non, vous avez pas crié quand le pont s'est pété. Non, mais non, vous allez rester. Vous allez réussir ce challenge, vous en faites pas. On va tous réussir ce challenge. Oh là-bas, il y a de la lumière, on va y aller. On va y aller sans plus tarder. Mais pourquoi il y a une musique qui stresse et qui est en train de monter, tu sais? Oh putain, il y a une caverne, j'avais pas vu. Oh sa mère. Oh, et la musique s'arrête quand on entre dans la caverne. Il est pas dégueu le jeu. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un éventuellement dans cette caverne? Arrête. Pas une meuf qui sort de l'eau là, comme dans The Ring là, avec son puits de merde là. Arrêtez. Tout ce qui est haut, on oublie s'il vous plaît. Mec, je vais couper. Ah! J'ai perdu. Allez, salut. Allez, à bientôt. Ok, nouvelle règle, on a 3 vies chacun. Ouais, je fais partie du genre de personne qui invente des règles pendant le jeu. Bon, on y va. C'est bel et bien un petit enfant nu comme dans les films asiatiques qui sort de l'eau. On connaît bien ce petit enfant nu. Il est très énervant. J'ai pas crié. Y'a pas crié. Oh mec. Elle est à Walpé avec son sac à dos. Elle m'a mordu. Mais dis donc. Tu fais ce que tu veux avec ton corps. Tu veux te balader à poil avec un sac à dos, y'a pas de soucis. Par contre, tu évites de mordre s'il te plaît. Scandaleux. C'est des arbres. Des arbres vivants. Je peux regarder. Elle a mordu l'arbre. Mais comment oses-tu? Par contre là, je trouve que ça va un peu trop loin son délire. C'est-à-dire que tu me mords, y'a pas de soucis, ok. Au pire, ok. Tu mords un arbre, tu mords la nature. Je vais appeler une association, ils vont tomber dessus direct. Déjà, pourquoi cet arbre parle? Pourquoi? Est-ce que peut-être à la fin, on finit en arbre? On devient un arbre? C'est pas mal, sachant qu'un arbre, ça vit 1000 fois plus longtemps que nous, c'est pas mal. Très bon. Ne blesse pas ma mère. Mais vas-y, mais arrêtez avec vos délires là. Putain d'arbre. Salut. Oh, il a fait ses courses. Il revient de Lidl tranquillement en larmes, il a acheté de la coco, de la noix de coco. Ah merde, j'ai mis feu à son truc. Désolé, mais c'était le chemin en fait. C'était pour que je puisse passer. Je suis désolé si je t'ai brûlé. Attention, screamer, préparez-vous, screamer. Ne criez pas. J'aimerais que vous soyez encore là à la fin de cette vidéo parce que tout seul, j'assumerai jamais. Ça croit avec l'allumette dans le jeu, mais c'est quoi ça? Attends, c'est la meuf qui était dans l'arbre, maintenant elle a pris position des lumières, c'est ça qui se passe. Énorme, je vais ouvrir un cinéma 4D, ça y est, nouvelle carrière pour Lucas Auchard, c'est parti. De retour dans la forêt. Ah d'accord. On part sur des bruits d'ogre. Y'a Shrek qui est pas loin, mec. On va aller chanter avec lui. Somebody want to me the one is gonna me. Ok. Mec, chantez un petit peu comme ça avec vous. Un petit instant comme ça, entre nous. Où on a oublié le contexte, on a oublié les bruits de pas et le monstre qui fait 18 mètres devant moi. Tout ça, on a oublié. Il est ignoble. Oh mais c'est bon, on est là. On est devant la maison. Oh mon dieu, on a fait tout le tour. Allez, on va toquer. Déjà pour avoir une maison ici, c'est probablement l'ogre qui vit là tout simplement. Il y a des lettres un peu pixelisées. L'imprimante du mec n'était clairement pas au point. Ah d'accord, je peux rentrer comme ça. Ah d'accord, toi tu vas chercher de l'aide, c'est tu braques les gens quoi. C'est quoi ces bruits? Attends, il y a un élevage de cochons dans cette maison ou quoi? Est-ce que il vient de tuer tout le monde? Oui. Par contre là, il n'y a plus de rail par terre, je sais plus quel chemin suivre, je suis perdu. Ah, ok, c'est là-bas. C'est là-bas. Oh putain, oh il a l'air d'avoir mal. Mais où es-tu? Je suis seul sous la pluie. Damn it! Non, j'ai pas crié, ça c'était une manière de s'exclamer, c'était pas un cri. C'est juste une manière un peu commune de dire oh là là, je suis surpris. En fait, ça voulait dire oh là là, je suis surpris, mais c'était un raccourci en vidéo, c'est plus simple. Alors, ah! Et pas. Oh mon dieu! La sorcière du lac nous a sauvés. Merci d'avoir joué. Wouh!
trouvé sympa ce jeu là, ce petit jeu d'horreur gratuit. J'ai apprécié tout ce qui s'est passé durant ce jeu. Surtout que j'ai pas crié, aucune fois. Donc ça me fait plaisir. Quoi? Quoi? Alors, petit replay sur cette séquence parce que je vous avais mal vu. Wow, wow, je ne crie pas. Voilà, les preuves sont là, je suis désolé, mais... Vous êtes encore là? Vous n'avez toujours pas perdu? Et bah les amis, ça tombe bien, deuxième jeu d'horreur. Nous sommes maintenant sur Contemp. Est-ce que vous êtes content? Déjà, d'être... Si vous avez crié, parce que cette blague était hyper nulle, vous êtes pardonné, c'est pas grave. On va pas compter ça comme une défaite pour le challenge. Ok, faut qu'on aille dans cette maison. C'est terrible, je déteste quand ça se passe dans une putain de maison entre quatre murs où t'es bien comme un caca quand il y a un problème. C'est terrible. Ok, on part dans la grange. Oh, il y a bien des outils pour tuer des gens ici, c'est vraiment... Ah bah, il y a la clé. Nickel. Alors... Bonjour, je m'appelle Titou en pratique l'urbex. Je suis pas du tout mal intentionné. Esprit, manifeste-toi si tu es là. Oh, mec, même le grand JD n'assumerait pas ce lieu. Vraiment. Y'a un truc à faire ou pas, vous pensez? J'ai vraiment... Oh putain, j'ai des frissons pour compenser. J'ai failli crier sur le craquement de parquet, mon gars. Bon, faut aller à l'étage. Comme d'hab, faut toujours aller à l'étage. Et quand t'es à l'étage, y'a un mec d'un coup, il est au rez-de-chaussée et il te suit à l'étage. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, nouvelle salle de bain. Très peu entretenu, on a vu quand même un insecte passer. Bon, vas-y, on va aller à l'étage, j'ai compris, mec. Ah! Damn it, j'ai plus de lampe torche! Allô? What the fuck happened? Déjà, prendre Gun Room, c'est plus drôle. Et ça fait même plus de clics. Donc, déjà, tu devrais pas faire ça. Bon, il y a de la lumière. On est content. Ok, on peut ouvrir cette porte maintenant qui était fermée en plus. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la télé? C'est quoi? C'est midi? C'est l'heure de midi et zouzou là! Damn it. On va pas tarder à voir le monde, c'est sûr. Oh putain. C'est à l'étage. Allô? TG? Oh, il y a des bruits de pas! Damn it! Faut redescendre. Ok, je redescends. Il n'y a plus rien en haut. Là, il va se passer un truc maintenant. Oh non. J'aime pas ça. Je me casse! Le monstre est là, logiquement. Ah putain, attention. Prenez une inspiration. On y va. Oh putain, il y a le grenier qui s'est ouvert. Ok, reprenez une inspiration. Expirez et reprenez aussi une inspiration, c'est parti. C'est bon. Oh! Ah non, elle nous casse le corps. C'est fini. Wouh. Personne n'a crié. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Je suis vent. Et bienvenue sur ce deuxième jeu Lunacy Central. C'est parti, je le rappelle. On ne doit pas crier, ne criez pas. Disclaimer, cette vidéo contient des scènes... Voilà, elle contient des scènes. Vous êtes avertis. Oh putain. Oh putain, c'est sûr, je vais crier. Oh putain, mais je vais crier, mais plutôt deux fois qu'une. Comme dirait Morissette. Où dois-je aller? Je sais même pas ce que je dois faire. Bon, on va monter à l'étage. C'est ça? C'est une belle maison. Maison à louer, bien sûr, n'hésitez pas. Damn it. Damn it. Damn it. J'arrive, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. J'ai perdu le challenge. Hey chérie, juste pour te dire, je ne rentre pas avant minuit. Et en plus, tu viens d'apercevoir un inconnu à travers la fenêtre, c'est dommage. S'il te plaît, laisse tes lumières allumées et va dormir aussitôt que tu le peux. Je t'aime, ta maman. Très bien. Oh oui! Oh putain, c'est bon, je me sens bien. Le téléphone peut-être pour appeler la police vu qu'on vient de voir un inconnu. La ligne est coupée. Excellent. On va monter à l'étage, on va se mettre à l'abri et tout. Une lettre. J'ai trouvé une porte cachée derrière le cabinet dans notre chambre. Ah, c'est là qu'on doit aller. J'ai trouvé la clé de la porte sur le dessus d'une de nos tasses de thé. Putain, mais mec, franchement, devoir chercher des trucs comme ça, c'est pas trop ma tasse de thé, quoi. Donc Mais pourquoi? Mais déjà, je te permets pas pour commencer. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais qu'est-ce qui te prend? Je suis là, je suis en vidéo tranquillement et tu... Mais pourquoi? Mais c'est normal pour toi, ça? C'est normal? Mais je suis outré, moi je suis là, je cherche ma vieille tasse de thé comme une vieille merde. Putain. Où est la clé de la chambre de ta daronne? Déjà, il va revenir nous agresser, ce putain de monstre, tu vas voir. Mais où est donc la... Oh! Mother Bedroom Key, yes! Peut-être en haut à droite, là. Non, putain, mais les portraits en immense comme ça, personne au monde n'achète ça. Oh oui! Allez, on y va. Ok, et là, il y a la porte cachée. Mais ouvre-toi. Est-ce que le monstre n'est pas caché dans ce carton? Prends Gun Rong, attention, on est là. Il y a une porte cachée ici. Damn it! Une putain de porte cachée derrière la moi. Mais mec, c'est scandaleux, ça. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, putain. Oh, mec. Là, je pense qu'on a perdu
un cinquième des gens qui ont crié en voyant ça. Oh merde, oh non, ça prend une tournure tellement badante là. Oh non. Oh putain. Aken. Ah non, les croix qui se retournent, non. C'est un gros non. Je peux toujours pas me barrer. Je peux toujours pas me barrer. Eh ben on retourne là-bas. Salut. Ok, il a disparu, on est bien. Je vais être dans une autre dimension. Ah! Ah! Oh putain, j'ai encore crié, mais fais chier! Mais le mec il campe derrière la porte! On se croit dans Overwatch là! Ça ne va pas du. Oh putain, damn it. Arrête, putain d'horloge, arrête! Je reste comme ça en position, dans un coin, voilà. Accroupi. Oh putain! Allô? Allô? Bah, tout mec, t'apprends karaté. Une fois de plus, c'est vous n'êtes vraiment pas doué. Oh, 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 excuse me. I'm so sorry. I have to go upstairs now. Damn it, le mec est juste là, je me casse. Oh oui, oui. Qu'est-ce que je suis censé faire? Attends, il y a une musique qui s'est jouée. Oh, putain. Désolé, mais là, je m'y attendais vraiment pas. Je suis désolé. Alors, il y a la musique qui s'est mise, ça vient d'où? Ça vient de là. Bonjour à tous, petit vlog en direct de la maison la plus hantée de France et tout. Mon vlog urbex part en couille. Ah, peut-être faut retourner là. Regardez, à mon avis, on va retourner là et la porte au bout sera ouverte. Ça va être magnifique ce qui va se passer. Regardez bien, attention. Voilà, voilà, il n'y a plus le mannequin, c'est parfait. C'est totalement le chemin. Quoi de... Qu'est-ce qui se passe? Wow, 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 quoi, 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 wow, quoi, 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 quoi. Non, 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 non. Excuse-moi. Elle n'aime pas être dérangée. Putain. Mais non. Mais non, faut commencer du début. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Ah bah j'ai crié, j'ai perdu. Et ben les amis, c'est la fin de cette vidéo. Tu cries, tu perds challenge. J'espère que ça vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à aimer comme d'habitude. Est-ce que vous avez gagné? Est-ce que si vous n'avez pas crié, vous vous sentez puissant actuellement? Bon, j'ai perdu, vous êtes plus fort que moi. Est-ce que c'est étonnant? Non. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé les amis. Et puis ça m'a fait plaisir de jouer à des petits jeux d'horreur. Ça faisait un moment là, depuis Outlast 2, on a très peu joué à des jeux d'horreur. Voilà, ça fait le cardio, tu vois, c'est comme à la salle, le tapis qui court. Ça n'a aucun sens.